Fin 2018, l'atterrisseur InSight de la NASA arrive sur la planète Mars. Son but, étudier la structure interne de la planète, jusque-là inconnue, et essayer de comprendre sa formation et de reconstituer son histoire. Les sismomètres des sondes Viking n'ayant pas fonctionné correctement, InSight nous permet pour la première fois de pouvoir écouter le cœur de Mars. De quoi est composé l'intérieur de la planète rouge? Quelle est la taille de son noyau, de son manteau? Le noyau est-il solide ou liquide? Quelle est l'épaisseur de la croûte? La réponse à ces questions permettrait de comprendre l'histoire de Mars, mais également d'aider à mieux appréhender la formation des planètes telluriques dans le système solaire. Pour réaliser cette tâche, l'atterrisseur InSight dispose à son bord de plusieurs instruments scientifiques. Le magnétomètre InSight Fluget. Bien que le champ magnétique de la planète ait disparu, certaines roches sont toujours magnétisées. HP Cube, une sonde de température qui permet de mesurer le taux de refroidissement de la planète depuis sa formation et ainsi mieux comprendre le fonctionnement des échanges thermiques au cœur de la planète. La sonde a été déposée sur le sol de Mars le 12 février 2019. APSS, une station météo qui mesure la température, la pression atmosphérique, mais également la force des vents martiens. Car même si l'atmosphère très ténue de Mars limite le ressenti du vent, il existe bel et bien. En témoigne ce son enregistré par le sismomètre CEIS. InSight dispose également de l'instrument RISE, développé par le JPL, et qui mesure la géodésie de Mars. Il mesure, grâce à des transmissions radio avec la Terre, les oscillations de l'axe de rotation de la planète, et pourra ainsi aider à déterminer la composition de la structure interne, notamment celle de son noyau. L'instrument principal d'InSight est français et s'appelle CEIS, un sismomètre extrêmement précis, développé par le CNES et l'IPGP, et qui permet d'enregistrer les moindres vibrations émises par la planète et d'en mesurer ainsi son activité interne. Afin que l'instrument ne soit pas perturbé par des éléments extérieurs, comme justement les vibrations provoquées par le vent, CEIS dispose de plusieurs couches d'isolation, et notamment son bouclier thermique, WTS, qui a été installé une fois CEIS déposé sur le sol de la planète, le 19 décembre 2018. CEIS est réellement opérationnel depuis le mois de mars, et il a détecté dès le mois d'avril ses premiers séismes. Depuis, près de 25 ont été recensés. Certains, de magnitude 2, ont parcouru quelques centaines de kilomètres. Le plus intense enregistré jusqu'ici est de magnitude 3 et aurait parcouru près de 1600 km. Car plus la magnitude du séisme est importante, plus il parcourt de la distance et traverse les couches internes de Mars. La trajectoire et la vitesse des différentes ondes sismiques, ainsi que leur comportement de réflexion et réfraction lorsqu'ils rencontrent différents matériaux, peut indiquer aux scientifiques la composition et la taille des différentes couches. Mais alors, d'où viennent ces séismes ? Il est assez difficile de le savoir avec certitude, mais plusieurs hypothèses sont possibles. À une époque, Mars avait une activité volcanique très intense, et la planète rouge a même à sa surface le plus grand volcan du système solaire, Olympus Mons, qui atteint 21 km de hauteur. Il s'avère que non loin du site d'atterrissage d'InSight se trouve le volcan Elysium Mons, qui a toujours une très faible activité et culmine à 14 km d'altitude. Il ne faut pas s'attendre à voir un volcan actif qui rentre en éruption comme sur Terre, les volcans sur Mars sont éteints depuis bien longtemps. Mais cette faible activité d'Elysium Mons peut générer des secousses en profondeur, plus ou moins importantes. Pour les séismes les plus petits, cela pourrait très bien provenir d'impacts de météorites à la surface de Mars. 6 mois après la mise en service de CEIS, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions précises sur les résultats. Cependant, les scientifiques observent déjà que le comportement des ondes sismiques sur Mars ressemble beaucoup plus à ceux mesurés sur la Lune par les sismomètres déposés par les missions Apollo que ceux observés sur Terre.
Mars est le siège de nombreux séismes de faible intensité, et il faudra attendre des ondes sismiques plus importantes, d'au moins magnitude 4, afin de mieux visualiser la structure interne de Mars et de comprendre son fonctionnement. Il faudra donc attendre encore un peu pour réussir à comprendre ce qu'il se passe dans le cœur de Mars.